La parole est à monsieur Pascal Popelin. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur. Comme dans beaucoup d'autres domaines, malheureusement, la politique de sécurité menée au cours des 10 dernières années, pourtant revendiquée comme une marque de fabrique par la précédente majorité, s'est conclue par un constat d'échec, en particulier, mais pas seulement, dans les quartiers populaires. Annonce choc, opération de communication sans lendemain, inflation législative au gré de l'actualité des faits divers, telle fut la part visible de cette politique. Culture du chiffre plutôt que du résultat, baisse des effectifs et des moyens, suppression dès 2003 de la police de proximité pour des raisons idéologiques. Voilà la réalité qui a été subie par les habitants et par ceux qui ont la difficile mission d'assurer notre sécurité. Les tentatives successives de marche arrière pour rétablir une police déployée sur le terrain, qui connaît les quartiers et ceux qui y vivent, en situation de prévenir et d'agir au plus près des besoins, de combattre efficacement ce fléau qui est devenu le trafic de stupéfiants, mais aussi de lutter contre ces incivilités qui empoisonnent la vie quotidienne des citoyens respectueux de la loi, n'ont jamais été assumées, pas plus qu'elles n'ont trouvé véritablement concrétisation. Il y a donc urgence aussi en matière de sécurité, à ce que nos concitoyens puissent ressentir le changement. Le droit à la sécurité doit redevenir une réalité pour tous, partout sur notre territoire. Tous ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir recours à des services privés, c'est-à-dire le plus grand nombre, attendent légitimement de l'État qu'il assume pleinement cette mission régalienne. Pouvez-vous, monsieur le ministre, préciser devant la représentation nationale les priorités qui sont les vôtres, ainsi que les moyens que vous entendez mettre en œuvre afin d'améliorer de manière tangible la sécurité des Français au cours de cette législature? Merci. La parole est à monsieur le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Pascal Popelin, la détermination d'abord doit mener cette action. Les Français ne supportent plus ces violences. L'augmentation des violences sur les personnes, les cambriolages, ces tirages de colliers d'or, bref, cette délinquance qui pourrit la vie des gens et notamment dans les quartiers populaires. Donc il faut s'y attaquer. Et la première décision que nous avons prise, c'est de redonner des moyens à la police et à la gendarmerie. 10 700 postes ont été supprimés au cours de la législature précédente. 3 700 devaient l'être en 2013. Ça ne sera pas le cas. Et nous créerons tous les ans, pendant le quinquennat, 500 postes de policiers et de gendarmes, parce que la police et la gendarmerie ont besoin de moyens. Et puis nous voulons, comme vous l'avez indiqué, davantage de proximité, d'où la création de 15 zones de sécurité prioritaires qui anticipent une nouvelle vague pour être au plus près de la réalité dans les territoires urbains comme dans les territoires ruraux, afin de créer les conditions d'une mobilisation contre ce fléau, contre le trafic de drogue, contre le trafic d'armes, contre ces cambriolages qui, notamment dans les territoires ruraux, posent beaucoup de problèmes à nos concitoyens. Et c'est cette mobilisation avec des policiers et des gendarmes disponibles, faisant de l'accueil, de la relation avec les habitants, avec la population, un élément central que nous réussirons à lutter contre la délinquance. Et puis, la fermeté. Et je veux dire ici à la représentation nationale, et notamment à l'opposition, que contrairement à ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années, la justice et la sécurité, la garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur travailleront main dans la main, parce que la justice et la sécurité vont de pair, parce qu'elles sont les deux mêmes faces d'une autorité, et parce que nous pensons que l'état de droit, ce n'est pas de mettre en cause la justice, merci, mais c'est de faire en sorte que magistrats, policiers et gendarmes travaillent ensemble contre l'insécurité que vous avez laissé croître et à merci, laquelle nous voulons nous attaquer. Ministre.